sont les premiers à se faire appeler... Philippe. Comment tu t'appelles? 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 Ta gueule. Salut tout le monde! Et je viens de me faire attaquer par un tueur à gages. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Assassin's Creed Origin. Ouh là 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 là! Ça part mal pour le galet là. Et. Oh, je l'ai eu! Oui! Ça y est! Ouh! Pour un début d'épisode, c'est pas mal ça. J'ai tué mon tueur. Et j'ai eu une épée légendaire. Ma. Loup d'or. Bayek de Siwa, qui se prétend Medjay, est recherché pour crime contre le règne de notre grand pharaon. Ouais, Ptolémétos là, d'une allure martiale, et le visage totalement balafré. Ils ont ordre de me tuer. Ceux qui l'ont reçu mourront avant moi. Voici ma victime. Eh ben écoutez, on s'est bien vengé là. Là je suis content, regardez le visage de cet homme. Non, c'est pas ça le bouton. Le visage de cet homme. Avec l'œil perdu. Attendez, je vais essayer de prendre une photo. Une belle photo. Là. Là, ça peut être pas mal. Là, ici, je pense qu'on peut être pas mal. Regarde à gauche. Non. Bayek, tu dis si toi. Voilà, merci. Hop. Voilà, et après, comment on fait? La mise au point. Oh non, c'est de la merde la mise au point. Regardez cet homme qui est déçu, qui est complètement déçu. Voilà, et une petite photo pour la joie de l'avoir tué. Pardon, excusez-moi. Je vais chercher mon ami le dromadaire. Et j'emporte ma cible avec moi. Parce qu'il n'y a aucun respect. Maintenant, il n'y a aucun respect. J'ai eu un nouvel arc aussi. Ah, santé, attends, ça peut être pas mal ça. Alors j'ai vu qu'il y avait une... Voilà. On a un moyen d'avoir quand même la légende de tout ce qu'on a. Donc santé, atteinte, c'est... Santé, parade, santé, atteinte. Bah, il y a que 1% de sa santé chaque fois qu'il touche un ennemi. C'est trop bien en fait, je prends ça. Sachant que l'arc tire quand même un nombre de flèches assez importante. Et qu'est-ce qu'on fait en fait ici? Bah écoutez, on va aller faire ça. Éducation supérieure ou la plume semble. Éducation supérieure. Est-ce que vous pensez que les gardes ne vont pas aimer le fait qu'on ait un cadavre derrière nous? Qui est d'ailleurs, qui était bien armé, hein, qui était bien solide. Ah, moi, il m'a enchaîné, il m'a enlevé toute la vie, d'ailleurs, vous l'avez vu. Hein. Mais, bah, il est mort, voilà. Je l'ai enfin massacré. Pardon. Oh, ils aiment pas. Hein. Voilà. Vous voyez l'arc. Viens de battre, toi. Merde, pardon. Voilà, ça c'est fait. Il faut dire que je suis dans un endroit où un niveau beaucoup trop bas pour moi. Donc là je me balade. Oh, il a bolossé le mec. Le cheval, il a levé la tête du genre dégage. Excusez-moi, oui, je vais au marché. Tu finiras par me tuer.
Qu'est-ce que vous voulez, vous? Medjay, nous avons besoin de ton aide. Mon idiot de fils a glissé mon offrande dans son papyrus et il l'a perdue. Je ne peux pas vendre mon huile sans avoir rendu grâce. Je ne l'ai pas perdue. Les gardes l'ont pris. Ce papyrus est toute ma vie, Medjay. Ces gardes doivent être châtiés. Ce papyrus contenait mes notes. Ces chiens l'ont jeté dans un bateau. Je vais m'en occuper, Defibi. Et je retrouverai ton offrande, petite mère. Ok. Je suis inquiète, Medjay. Les gardes n'ont pas encore... Mais c'est où? Ah, c'est sur le port. Je vais trouver un autre chemin, Medjay. Oh non, bon. Ne crains rien. Oh non, 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 non. Ma gloire, ma récompense. Ah. Allez, viens, Billy. Je t'emmène. Je t'emmène au loin. Allez, pop. J'ai toujours pas trouvé de nom pour ce notre ami le dromadaire. Tiens, nique le pot. Jamais je rembourserai. Oh là là. Mais bon, je passe. Moi. Je pensais que là, ouh là, ça passe. Allez. Pardon, excuse-moi, qu'est-ce que vous faites? Alors, objectif à proximité. Il doit être là-haut, non? Ah, intéressant ça. Ah, elle est là. Ok. Il me faudrait un bateau. Ah bah là, oh là là. Où est-ce que j'emmène mon dromadaire? J'ai l'impression qu'ils se plaignent. Mais tout le temps. Allez, à l'attaque. Et après j'aurais bien envie d'attaquer ce trième là-bas. Aïe. Nom de Dieu. Peut-être le bateau dont parlait Defibi. Je vais devoir me faufiler discrètement. Oh putain. Discrètement? Oh non, fuck, oh, à l'abordage. Sommes ces maudits pirates. À l'abordage. À l'abordage. Oh, ah, j'ai fait un contre, mais pas le deux. Oh, il est tombé à l'eau, non. Oh, yeah. Merde. Je dois confirmer sa mort, voilà. Quoi? Ah mais t'étais pas mort en fait. Non, on sort pas une arc. Allez, viens te battre. Viens te battre. Oulier. Yeah. Nous avons récupéré les documents. Par contre, il y a... Là-bas, il y a un trième qui... Il tire sur quoi? Ça me donne vachement envie de l'attaquer. Hein. Regardez ce bateau, comment il est beau. Ow. Je sais pas sur qui il tire par contre, mais ça m'inquiète. Aïe. Voilà le papyrus. Et l'offrande. Les Phoebe et Tchepou seront contents. Tcha-tcha-tcha-tcha. Ouh. Ah bah ok. Ok. Lui... Il veut que je le respecte. Ah bah je l'ai défoncé. Ça, c'est fait. C'est bon, il n'y avait rien d'autre à prendre. Ah merde, mon navire est vachement loin. Tant pis. On va se mettre un peu sous l'eau. Ouh, l'eau est trouble ici. Elle est quand même vachement trouble. Ce qui est normal, vous allez dire. L'eau est toujours plus claire dans les endroits où il y a du mouvement.
du courant. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un croco? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'était un croco. C'est gratuit. Allez, à l'assaut! Est-ce qu'on peut charger dans leur bateau? Épronage! Épronage! Oh là là! Le mec est parti en couille. Oh, il se fait attaquer par le croco! Alors? Oh, il se fait bouffer! Moi, je te regarde, hein. Bah alors? Ah non, le croco, il attaque mon bateau. Là, t'as à manger, là. Là, regarde, là. Regarde, il a l'air con, regarde. Hop, je me casse. Voilà, hop, tiens, il remonte même. Ah, il ressaute, il a trop peur, il prend. Ah, oh non. Oh putain. C'est le premier qui arrive au bateau, les gars. Non, pas le crocodile. Il est où? Ah, maman. Je me fais bouffer. Non. Et soit on se barre, soit on l'attaque. Oh, c'est bon là. Vas-y, viens. Merci. Mon Dieu. Waouh. Mais je me demande en quoi sont faits les bateaux. En bois, en bambou, on dirait que c'est du bambou là sur la gauche. Bah, en bois c'est sûr. Mais regardez ce qu'il y a sur le côté. C'est de la paille ou... Beaucoup de questions. Voilà. Après cette péripétie en Mégalée, tu fais n'importe quoi. Allez, vas-y, charge dans. Voilà. Ce sont ses potes en bateau. T'as le droit de les défoncer. Bonjour madame. Voici votre dû. Votre offrande. Je vais enfin leur prouver que mon esprit égale le leur. Arrête avec ces bêtises. Les Grecs ne voudront jamais de toi. Tu te trompes. Je serai bientôt philosophe. Ton offrande. Tu peux retourner vendre ton huile d'olive. Je passe ma vie à m'inquiéter pour lui. C'est difficile à comprendre quand on n'a pas eu d'enfant. Laisse faire tes phibies. Tout se passera bien. Eh ben voilà, mission accomplie. Alors on en est où dans l'épisode? Bah très bien, on a le temps, on a largement le temps de faire des trucs. Le courroux des poètes ou la plume s'envole. Je crois que ça va être le courroux des poètes. Je sens que ça va être très drôle à faire. Galez, on veut l'histoire principale. Non, attendez. On n'a pas encore été voir là-bas. Combat. Oulier. C'est qui m'attaque comme un lâche là? Mais viens. Tiens. Voilà. Super. Qu'est-ce que je disais déjà? Merde, j'ai pas pris la quête du coup. Ah bah si, juste par là. Ah bah voilà, ça on n'avait pas encore vu. Un théâtre. Non mais tu peux passer par les escaliers, hein, Galé. Oui, c'est hein? Peuple d'Alexandrie, nous devons lutter sans peur contre ce poison qui se répand en pourriture. Oh, c'est trop rigolo. Ce Génadios,
Ils cherchent à réduire au silence tous les poètes d'Alexandrie. Et cette vermine n'a pas conscience de la puissance de nos idées. Très belle petite mise en scène. Très drôle. Ils peuvent bien... Tu te tais, parle-moi à moi. Bayek, enfin quelqu'un qui apprécie mon génie. On m'a confisqué ma pièce. Tu es doué pour les ennuis. Pire, ils ont osé arrêter mes acteurs, alors qu'ils comptent parmi les meilleurs poètes de la ville. Ils disent que si je tente de faire jouer ma pièce, je serai mis à mort. Méfie-toi, Phanos. Tu es faible et fragile. Contente-toi d'écrire. Je m'occupe de ta pièce et de tes acteurs. On va récupérer sa pièce et ses acteurs. Eh ben, on y va. Loire au théâtre. Lexon, je sais pas ce que ça veut dire. Hors de mon chemin. Moins vite. Laissez le passage. Moins vite. Retiens-toi, Gaël. Retiens-toi. Hors de mon chemin. Non. Oh la vache. Il y a un truc à récupérer là, mais tant pis. Dégagez le passage. Oh la vache, comment il trace le mec avant. On y est bientôt. Hein. 300 mètres. Pardon. Oh la vache, c'est tout là-bas. On y est pas du tout bientôt en fait. Et on entend des gens travailler. Yep. Hop. 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 Ah, stylé, j'avais pas vu. Ils ont gardé pas mal de mouvements des anciens Assassin's Creed. Viens là, toi. Non, je suis pas là, j'ai disparu. Je pensais pas être aussi près. Très vigilant par ici. Oh la vache. Je suis toujours hyper impressionné par. Ouais, ils sont dans ces prisons là. Oh, des crocos là-bas. Faudra que je passe ça en neuf. Là, si je me fais repérer, je suis baisé. J'ai pas un arc de précision, j'ai un arc de corps à corps. Arrêtez-le. Voilà. Comme ça, quoi. Attends, j'arrive. Je cours plus vite que toi. C'est vrai, ça? Te voilà. C'est pas comme ça que tu m'échapperas. Allez, viens. Je pense que je t'ai remis à ta place. Oh, il y a des balistes et ça m'intéresse. Vous connaissez mon goût pour le tir de baliste. Saut ! Roulade ! J'ai appris à faire la roulade, en fait ça diminue largement les dégâts subis. Tiens, t'es mort. Merci. Je sais pas, regardez, y'a quelqu'un au-dessus? Non, y'a personne au-dessus. Y'a que lui qui surveille. Deux mecs qui surveillent ici, ok. Oh, et lui aussi. Que je peux la battre? Non. Par contre, je peux faire ça. Même pas capable de regarder un acteur en face. Hey, qui a envoyé ça? Alerte! Personne. Qui essaie de donner l'alerte là? Quelqu'un a mangé de l'eau? Non. Ah. Je t'ai entendu. Je commence vraiment à avoir faim.
Roulier, roulier. Oh merde. C'est ça qu'on appelle le golf? Hop là, roulage. Non, 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 non. Tu n'as rien. Je suis pas capable de regarder un acteur en face. Alors? T'as rien vu, voilà. C'est bon? Ils ont arrêté de... Hop là, et moi je saute dans les flammes. Mes vers te rendront éternel si tu me sors d'ici. Hé, hey, doucement, colosse. Ouais, du coup, je suis obligé de le porter, putain. Ce chien est trop fort. Attendez, je vais vous aider. Salutations à toi. Non, non, y'a rien, y'a rien. Ça me rappelle mes débuts sur scène. Pour mon premier rôle, j'étais un sac de grains. Formidable, d'ailleurs. Non, ne m'abandonne pas. T'as vraiment je ne peux une pas rester merde. Ici. T'as vraiment une vie de merde. Blamour. J'ai tellement envie de le jeter pour voir ce que ça donne. Je fais ça, c'est pour faire diversion. Voilà. Parce que je crois que j'ai massacré beaucoup non, de leurs hommes. Ne m'abandonne pas. Je ne peux pas rester ici. Ah, porté vers la liberté. Une expérience inoubliable. Reste tranquille. Chut, tiens, tiens, tiens. Tiens, t'es mort. Non. Ne m'abandonne pas. Je ne t'abandonne pas. Non, ne m'abandonne pas. Je ne peux reste pas rester. Reste tranquille. Les rebelles vont nous aider. Impossible de gagner. Plus vite, mon grand. La révolution est en marche, elle nous attend. Tu me rappelles encore une fois, mon grand. Je te tue. Non. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Merci. Mais il y en a deux autres, ils se sont enfuis. Les Philakitai de Genadios veulent les tuer. Ils ont pris la pièce et ils sont partis vers le palais. Si elle se retrouve en de mauvaises mains, Phanos sera en danger. Tu sais où se cachent ces acteurs? Chez eux, tout près d'ici. Ne t'en fais pas pour moi, je serai retourné au théâtre tout seul. Ok. Eh ben on va... Il a dit tout proche. Oh putain, mais tout proche, c'est pas tout proche. Ça. C'est à 30 km. Ouh. Vous voyez, maintenant, je peux faire des grands sauts sans m'en prendre plein la gueule. Et je vois que mon ami n'arrive pas à tuer les tueurs à gages. Petite joueuse. Non. Allez, saute dans l'eau. Saute. Je sais que t'aimes pas te mouiller. Je regarde, on sait jamais. Depuis The Witcher 3, je regarde allez toujours s'il y a rien dans l'eau. Par exemple, là-bas, il y a quelque chose. Je crois que c'est un acteur. Peu m'importe ce qu'il est. Si on ne le retrouve pas, je passe. Non. Voilà. Tu vas mourir tout de suite. Oh la vache. Alors, hein. À distance, mon gars, à la distance. Tiens. Bon, pardon. Qu'est-ce que je disais déjà? Est-ce que c'est ici chez lui? Ouais, il doit être juste au-dessus, à tous les coups, il doit être caché. Oh, caché, il est juste là. Oh, mec, attends. Vous n'étiez pas censé être deux? Ah, Caponius! Il s'est enfui, en mettant involontairement les gardes sur ma piste. Il me traque comme un chien! Si tu pouvais t'occuper d'eux, je retournerais voir Phanos pour monter notre chef-d'œuvre! Bon, est-ce que c'est pas les gens que j'ai déjà. On sera bientôt sorti d'ici. Bien sûr! Je serai aussi muet que. Silence! Je les entends. Scortez. Tu sais, tu es tout à fait le genre de Phanos. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Cache-toi, poète! Sûrement pas! Si, cache-toi! Vous avez mal choisi vos ennemis! Allez, est-ce qu'il pense ça? Raté!
On va m'amener où? Ouais, sur la route principale. Alors tu viens? Allez poète. Allez, on se dépêche. Sinon cet épisode va être beaucoup trop long. Galope, galope, galope. Hop. Bon, t'arriveras pas à faire ça, mais soit. Voilà. Oh merde, j'avais la tête dans le cul du cheval. Ouais, je dois trouver le texte. J'ai trouvé. J'ai aussi trouvé le plan. D'ici on a l'impression qu'il pisse dans un pot. Bon, c'est pas grave. C'est... Ah, c'est juste là. Est-ce qu'on peut passer par au-dessus? Non, on est obligé de passer par en dessous. Et ben, je ferai ça en off parce que. C'est très bien gardé. Des archers? Pas d'archers. Il est juste là. Je sais pas du tout à quoi ressemble l'endroit. Ok, c'est juste un gars pour l'assassiner et récupérer le papier. Mission acceptée, les gars. On va y arriver. Tic. Alors, ça fait peut-être un peu haut. Ah bah non. Il accepte. Le censeur a de quoi s'occuper. Le lot d'aujourd'hui était vraiment malsain. Au. Tiens. Vengeance. Tcha. Surprise. Voilà. Bon bah ça s'est fait. Ça s'est très bien passé. Il n'y a plus qu'à retourner au théâtre et aller voir la pièce de théâtre. Je suis sûr qu'elle va être super sympa. Ah, j'ai tout récupéré, tes acteurs, ton papier. Tu as réussi, Bayek. Merci. Je n'ai jamais douté de toi. Par contre, ils sont pas un peu... Oui. Pas de blague. Aya a toujours dit du bien de tes pièces. Elle a aimé celle en faveur de Cléopâtre. Ma dame pharaon. Désormais, nous pouvons jouer cette pièce en poète. Les gardes peuvent bien nous tuer. Un artiste doit accomplir sa vision à tout prix. Un jour, j'écrirai une pièce sur toi, Bayek. Le dernier des Medjay. Non. Ne t'en fais pas. Je changerai le nom du grand méchant, Ptolémée, et le titre. Nous ne mourrons pas, et la pièce sera jouée. Lui, il est un peu moins con. Eh ben super, regardez, ça, je crois que cet homme joue Cléopâtre, ou Ptolémée, c'est Ptolémée? En tout cas, même ça, c'est bien fait. On voit bien le visage et le masque derrière. Ah, il faudrait que Bayek le regarde. C'est par choix et non sur ordre que nous défendons notre Pléiade et notre ville. Voilà, il faudrait que Bayek le regarde. Non. Votre censure vous a... Voilà, il faudrait que Bayek regarde cette... Mauvaise cible. Très bien, très très bien. Voilà. Le peuple, l'autre. Eh ben écoutez, c'est sur cette belle pièce de théâtre que je vous abandonne. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien. Salut.